En marge de la 50e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, la délégation marocaine a organisé plusieurs rencontres pour jeter la lumière sur l'enrôlement militaire des enfants par le Polisario. Plus de détails dans ces déclarations de Hanan Selk, présidente de l'Observatoire du Sud pour le développement territorial à Boujdour. إذن نشارك في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. Nous participons à la 50e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Dans le cadre de cet événement, nous avons organisé plusieurs rencontres pour décrier haut et fort les agissements du Polisario, notamment l'enrôlement militaire d'enfants par ces milices armées avec l'appui et le financement de l'Algérie. Ces rencontres ont suscité de vives réactions de la part de la communauté internationale. Notre but est d'arrêter cette hémorragie d'infractions non humanitaires qui constituent de réels crimes contre l'humanité et de réels dépassements aux décisions du Conseil de sécurité. Ces crimes sont directement imputables à l'Algérie et à son entité fantoche, le Polisario. Ce sont des crimes de portée internationale qui ne sauraient être pardonnés ni occultés. Algérie et son entité Polisario sont responsables internationales et historiques.